Et coucou tout le monde! Eh ouais, ça y est, ça lui reprend. Encore de la patouille, encore du café, encore des couleurs, encore du grand n'importe quoi, mais j'adore. Bon, alors ce matin, je voulais des papiers bleus. Oui, je sais, il n'est pas bleu. Il est là, mon bleu. Voilà. Donc toujours ma mixture café mélange de cannelle pour l'odeur, parce que j'adore. Et puis j'ai mélangé direct dedans de la peinture acrylique gold. Donc tout ça dans mon bac, mon lèche-frite, comme on appelle ça. Hein? Bonjour mon chat. Bonjour mon chat. Bah oui, marron, tu viens dire bonjour. Voilà. Sopalin, hein? Coucou, bonjour caméra. Allez, file. Donc voilà, j'ai fait ma mixture. Le papier. Je ne savais pas ce qu'il valait, mais j'adore. S'ils en ont encore, je vais en reprendre. Pour deux choses. Déjà, ce sont des grandes feuilles, c'est pas cher. Le papier est épais, on peut y faire des découpes, on peut y faire de la patouille. Bon, pas trop parce qu'il n'est pas de grande, grande qualité non plus. Mais pour les papiers, comme je fais, c'est nickel. Et quand le bloc est terminé, vous avez une grande cartonnette bien épaisse, déjà un peu tissu là. Donc, c'était ça. Donc c'est du A3, c'est du 130 grammes et il y a 50 pages. Donc je sais pas si vous les avez eus, si vous les avez achetés. Moi, ça fait déjà un petit moment et c'est le deuxième bloc que je passe. Donc voilà. Donc ça c'est génial pour plein de choses. Donc ma mixture café qu'il va falloir que je rachète du soluble parce que je n'en ai plus. Et puis hier, toujours dans mon rangement, hein, je suis retombée sur des vieux trucs. C'était même pas à moi, ça devait être à mon mari. De remplissage de stylos de précision avec de l'encre de Chine. Vous savez, pour faire les tracés d'architectes, de. Des plans, enfin des trucs, lui il s'en servait pour faire quand il était en électromécanique, il se servait de ça pour remplir ses stylos. Donc pour vous dire que ils sont pas tout jeunes, hein, mais ils sont toujours là et ils fonctionnent toujours. Donc j'ai ce qu'on appelle un couleur. Je sais pas, enfin c'est un espèce de rouge, hein. Il n'y a pas le nom de la couleur, mais on s'en fout, c'est pas grave. Sur la pochette, vous voyez, ça fait un peu rouge, violet, et au final, il est vraiment, mais violet, violet. J'ai un vert qui est normalement foncé, mais qui est très. Si vous allez m'en voir très tendre parce que là je crois que lui il a un peu passé et du jaune et lui le jaune mais on voit bien hein, comment il ressort donc eh ben allons-y et j'ai du bleu normal donc tout ça en encre de Chine bon après j'en ai fait au café tout seul mais c'est pas ce que je voulais vous montrer pour faire du papier marbré. Alors, ce que j'aimerais, c'est que les effets que ça fait tout de suite, quand je le pose, restent. Ça, ce n'est pas encore. Je n'y arrive pas encore. Alors, l'excès, je me suis pris un pot. Parce que quand il y a trop de liquide dessus, ça va dans tous les sens. Je n'arrive pas à voir ce que je veux. Je bascule tout dedans et je récupère. Je me fais un mélange micmac. Enfin, bref, j'arriverai bien à me faire un.
un pot spécial encre à tout faire et toutes les couleurs. Donc, eh ben, on y va. Hein. Donc, léger par contre, le café, et que sur une face. Ça évite que ça colle. Je repose sur mon autre feuille. Même à la limite, je l'éponge. Et je prends, eh ben, allons-y. Alors, regardez bien. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Regardez tout de suite l'effet. Est-ce que je peux zoomer? Non, je ne peux pas zoomer. L'effet que ça fait. Toc. Vous voyez comment ça se disperse tout de suite dessus? Donc, je fais des grandes taches. Donc là, c'est mon mélange. Il y a du bleu, il y a du violet dedans. Là, je vais y rajouter un peu de jaune. Et du vert. Sans trop le bouger, parce que voilà, je voudrais que ça reste comme ça. Mais le problème, c'est que quand je la prends, que je le mets dans mon four, forcément, à un moment donné, il y a tout qui se mélange. Ah, là, ça va aller. Donc voilà comment je fais mes pastels. Parce que je n'arrive pas à colorer. Donc pour vous dire que voilà, si vous avez de l'encre de Chine que vous ne savez pas comment l'utiliser, c'est une autre façon d'utiliser votre encre de Chine. Donc toujours café. Oh, j'ai pas dû le nettoyer la dernière fois que je l'ai utilisé. Je vais me faire tirer les oreilles. Sinon, il va très bien. C'est juste que, je sais pas, par moment, il fait un peu des trucs bizarres. Allez, or et les taches, j'adore. Ça fait une réaction, je sais pas ce que ça fait, mais j'adore. Au départ, j'étais quand même partie pour vous faire le tuto des enveloppes. Hein. Je vous promets que vous allez la voir. Quand, je sais pas, mais vous allez la voir. Alors que ce soit mon four, ma plaque, maintenant mes bacs, c'est du grand n'importe quoi chez Isa. Allez, on va mettre un petit peu de vert. Vous avez vu comment je me prends la tête pour faire mes fonds que vous trouvez toutes magnifiques? C'est incroyable. Et voilà ce que ça donne. Ah, mais dégage, toi. Je vais prendre un coup de produit dans la tête. Les guêpes qui sortent, elles sont énormes. C'est déjà la troisième qui vient tourner autour de moi depuis ce matin. Et si ça fait comme l'année dernière, il va falloir que je surveille parce que je me suis retrouvée avec un nid carrément, mais méga nid. Donc voilà, je voulais partager avec vous encore une patouille. Allez, on va en faire un bleu. Hop.
les plumes. J'adore. C'est excellent. Comment voulez-vous ne pas aimer faire de la patouille? Je sais pas comment, hein. Moi, je suis... C'est addictif, et moi. Elle est sèche. Donc voilà. Donc je vais continuer un petit peu mes patouilles et puis je vous montrerai le résultat sur une autre vidéo. Allez, à bisous. Alors, j'ai fini de faire toute ma patouille. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai réussi à avoir. Je suis encore amoureuse de mes papiers, hein. Ça donne des trucs vraiment super. Bref. Donc, le bleu. Donc, café et encre de Chine. Alors, je les ai repassés. Et alors, la petite histoire, c'est que bon, vous connaissez un peu l'ambiance à la maison, hein. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, on est tous tarés. Et on était en train de blaguer avec mes fils, et à un moment donné, ils étaient en train de dire que leur mère était folle, hein, avec tout ce que je fais, les peintures, le four, enfin bref, je vais vous expliquer. Donc j'ai saupoudré avec du café, avec du chocolat en poudre, enfin, tout ce qui me passe par la tête et sous la main, atterrit sur mes feuilles. Et donc... Une fois que les feuilles ont été sèches, je les ai repassées parce que bon, bah voilà, une, ça prend moins de place. Et puis, bah, finalement, je me suis aperçue que c'était sympathique aussi de d'avoir des feuilles bien, bien plates. Bref, mes fils arrivent et ils m'avaient encore jamais vu repasser mon papier. Donc, c'était un petit peu la menace de dire. Ouais, de toute façon, je vais dire à tes copines que t'es complètement tarée et tout. Je leur dis, mais c'est pas la peine, hein, parce que toutes celles qui font de la patouille, en principe, elles repassent aussi leur papier. Il fait, ah ok, vous allez être nombreux dans l'asile. Donc voilà. Mes fils ont dit que nous étions folles. Vous aussi, d'ailleurs. Bon, allez, blague à part. Donc le bleu. Donc, de l'autre côté, j'ai pas fait de couleur particulière. Pour changer un peu de mes plaques de gris, j'ai mis une plaque en truc de chauffe là. Comment ça s'appelle? Oui, les plaques qu'on met dans le four en silicone là. Et ça se retrouve le nom écrit dessus. C'est marrant. Il faudrait que j'en trouve une à mon nom finalement. N'importe quoi. Allez, on continue. Donc là, j'ai saupoudré du café dessus, soluble, que j'ai laissé fondre. Ici, donc, mélange de violet, vert, jaune, café. Idem. Ça donne vraiment des trucs. Là, il y a un peu un aspect brillant parce que je mets de la peinture or dedans. Donc, toujours pareil, le saupoudré de café. Donc là, c'est le violet. Il est très foncé, mais il est trop beau aussi. Là, c'est un café aussi. Je ne sais plus lequel que j'ai fait avec du chocolat en poudre.
quoi faire hein, parce que c'est des grandes feuilles. Ouais, je sais, il y a beaucoup de violet. Non, toujours du café. Alors, à force de cuire, forcément, entre le four et le... Regardez-moi celui-là, magnifique. Je sais pas encore ce que je vais en faire, hein. Mais je les trouve magnifiques, hein. Rien que pour la beauté des papiers. Peut-être bien celui-là, chocolat. Ouais, c'est le chocolat, celui-là. J'adore. Et je crois que... celui-là, c'est le premier, et il y avait la cannelle, elle n'était pas encore bien mélangée, bien, si bien qu'elle s'est retrouvée avec toute la cannelle. Les autres, c'est des unis, café, voilà. Donc, je suis trop contente de mes résultats à l'encre de Chine. Alors, on va continuer. Donc, j'ai mis de côté et j'ai commencé. J'ai gardé celui-là de papier. Bon, j'ai découpé pour que ça me fasse un format A4. Excusez-moi, je baille, ça y est. Il y a des moments comme ça. Puis je ne peux pas m'en empêcher. Hein. C'est où je dors ou voilà. Alors, comme il y a du tout à faire, je ne torpillerai pas. Je vais essayer de couper la lumière, voir si on ne voit pas mieux. Normalement, il devrait y avoir un bouton quelque part. Là. Oui. Donc, allez, j'ai une grande table, mais je travaille sur un format A4. Bon, allez. On va être un peu raisonnable, c'est du A3. Donc, j'ai pris ce papier qui était donc grand format, comme ceci. Et j'ai donc coupé à moitié. Quelle enveloppe on va faire, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais y mettre de la texture dans la mesure où j'ai fait le tamponnage. Non. Pour commencer, on va faire une toute simple. C'est-à-dire celle-ci. Peut-être pas avec ce système de fermeture. Mais voilà, un rabat, la petite encoche, c'est collé. Et ouais, celle-là, je l'ai donc fermée avec deux gros œillets que j'ai fait moi-même. Donc, c'est parti. Alors, j'ai pris... ma feuille que j'ai pliée en 3. Alors, suffisamment j'ai commencé, voilà, à la plier de façon à pas que ça fasse égal partout, comme pour faire une enveloppe en fait. Donc là, c'est le rabat et ici on a le pli. Vous voyez le pli là, mais j'ai fait en dessous, j'ai laissé un espace pour qu'on puisse aller quand même y mettre les doigts. Alors, vous avez un tas de tampons, je vais vous montrer ceux que j'ai pris, mais à moins que vous n'ayez eu la chance de les trouver, si je le retrouve. D'utiliser, donc c'était de Studio Light, c'était celui-ci que j'ai donc fait dans l'angle de ma pochette que j'ai tamponné fermé, c'est-à-dire que là au-dessus il n'y a pas le même tampon. Je veux que quand elle va être fermée, on voie le tampon en entier, c'est-à-dire que sur ma plaque
de tamponnage. Voilà, j'ai mis mon enveloppe comme ceci et j'ai appliqué mon tampon. C'est clair pour tout le monde? Je suis pas sûre d'avoir été très très clair. Donc voici pour une partie du tamponnage fait maison. Et ensuite, bah, le classique hein, que tout le monde a, c'est le flora machin avec les écritures très vintage. Donc pareil, j'ai mis les écritures de devant de façon à ce que bah, qu'on n'en ait pas un coup à l'endroit, un coup à l'envers quand on tourne l'enveloppe. C'est-à-dire que sur le devant, j'ai tamponné face à moi. Et ici, quand on la retourne, toujours face à moi. Mais quand on va l'ouvrir, la page, ici, qui est donc le rabat, est dans un sens. Le milieu est dans un autre. Et celui-ci est encore dans l'autre sens, dans le même sens que celui-ci. Pour que une fois fermée, voilà, on la retourne, tout est lisible à l'endroit. Pas un coup comme ci, comme ça, machin, et non. Fermez, vous tamponnez, vous retournez et vous tamponnez dans le même sens. Quand vous l'ouvrez, que ça se retrouve, on s'en fout, puisque ça va être plié. Ça, c'est une chose. Ensuite, je vais prendre bon, je pourrais une perfour. Ronde ou peu importe la perfo en fait hein. C'est juste histoire de faire une encoche. Bon, j'ai des superbes perfos, alors autant les utiliser hein. Donc j'ouvre et je vais donc aller venir faire à peu près au milieu hein, au milieu du milieu une encoche voilà ce qui va nous donner ceci dans mon enveloppe et là j'ai pris celle-ci de perfo étiquette. Alors, je sais plus quel nom elle a. Il faudrait que je mette le nom. Bien que ça n'a pas grande importance. Donc ça c'est la première phase de l'enveloppe. J'ai tamponné avec deux encres. Alors de la Stazone et ici. La Stampin' Up qui est bleu nuit. Bon, si vous m'entendez hurler à un moment ou à un autre, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il y a les grosses guêpes là qui sortent là. Oh, je déteste ça. Alors, ils sont bêtes, ces bestioles alors. Donc ça c'est pour les tamponnages. Donc Stazone et Stampin' Up. J'ai choisi aussi, alors ça peut être du papier découpage, du serviettage, enfin tout ce que vous voulez pour décorer. Moi j'ai décidé de prendre le pan. Alors je vais le mettre de telle façon à ce que on voit encore les écritures
en dessous. Et ça, comme c'est tellement fin que ça va être mouillé, on les verra toujours. Pas spécialement de le centrer, mais de le mettre là où j'ai utilisé l'encre Stazana. Parce que avec la colle qui est à base d'eau. Bon, je coupe, je reviens, je vire la bestiole.